Jeudi, les indices européens perdent du terrain après la décision surprise de la Banque du Japon de ne pas prendre de mesures de soutien supplémentaires à l'économie. À la clôture, le Stoxx 600 progresse de 0,09% à 348,65. À Londres, le FTSE reste stable à 6322,40 et à Francfort, le DAX était en hausse de 0,2% à 10321,15. Sur le marché français, le CAC 40 était en baisse de 0,04% à 4557,36. Il y avait 18 valeurs en baisse pour 22 valeurs en hausse. À noter parmi les plus fortes baisses du jour, Airbus Group, moins 4,60% à 55,77 €, Michelin, moins 2% à 95,58 € et Safran, moins 1,48% à 62,31 €. À la hausse, on retient ArcelorMittal qui gagne 6,92% à 5,11 €. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro vaut 1,135 $ et le dollar cote 108,16 yens. Sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans est en baisse de 5,1 BPS à 0,59%. Pour Trading Central, c'était Anne-Marie Nguyen dans nos studios de Wall Street. Je vous souhaite une excellente journée.